Hello, everybody. Welcome to this launch of HazaMag issue 22, Occupational Health in the Courts. Very happy to have so many participants. And it seems already like an engaged audience because we already received some questions, so that's great. HazaMag is the health and safety and working conditions magazine. It's of the European Trade Union Institute. It's published twice a year by our Unit 3 on health and safety. And it's quite exciting because we have a new format. So be sure to subscribe. We will put the link in the chat and I'll remind you again at the end because you can receive this for free in the post. Today we have a great panel. We have five speakers who are going to talk about this topic. I'm Bethany Staunton. I'm the deputy editor of HazaMag, and I've worked on this issue together with Mehmet Koksal, who's the editor, Laurent Vogel, who will be speaking today, and he is now, at least in theory, retired, but he was the former editor in chief of HazaMag, and was the editor of this issue. And Geraldine Hoffman, who works on the publications. Today, we also have François Dosso, who is from the CFDT, French Democratic Confederation of Labour. He's an activist and a former miner.
and he will be talking about the battle for recognition of French miners' occupational diseases and his particular engagement with that. He's very strongly involved in it. We have Marianne Scatman, who is the head of our Unit 3, which is on health and safety and working conditions. But she was formerly the director of the Occupational Diseases Office of the FNV, which is the Dutch Trade Union Confederation. We also have Berta Chulvi, who is a journalist from Spain, and she's also the editor of Por Experiencia, excuse my Spanish, published, which is another health and safety magazine, published by the CCOO, the Workers' Commission's Union Confederation in Spain. Finally, we have Pierre Berastegui, which I'm sure I've pronounced wrong. I should have checked that beforehand, who is another E2I researcher in health and safety. And he will be talking about the lengthy legal battle of four Belgian workers who had to fight for the compensation for their occupational cancers. The format will be, each speaker will speak for between 10 and 15 minutes. They will present the cases which each correspond to an article in the magazine. Most of our speakers have actually written the articles, with the exception of François Dossot, who was more of the subject of the article. He was obviously involved in it. And then we will, so that should take us to just over an hour, I would say. And then we will pass to a discussion. We have 2 hours altogether, so we'll see where the discussion takes us. There is a question and answer box down at the bottom of the screen, so please feel free to put your questions and I will keep my eye on it. That you also see next to that, to the right, there's the interpretation symbol, which is like a globe. You can choose between French and English. Obviously, I'm speaking in English, but most of our speakers will be speaking in French. So please choose your language. And the event is being recorded, and it's also being live streamed on Facebook. So anyone who you know might have missed this, they can also go and watch it on our website afterwards. All right, without much further ado, I think we should kick off the event with Laurent, who I'm sure would like to present to us this particular issue and why, Laurent, why this theme? Why is this important? Why did you choose it for this issue? Thank you. Bonjour. Donc, ça, c'est le dernier numéro des AMAG, le numéro 22. Et le dossier thématique est consacré à la santé au travail devant les tribunaux. Et il y a, en fait, une très grande correspondance entre l'objectif des AMAG et la thématique qui a été choisie. Et cette correspondance, c'est la question de rendre visible l'impact du travail sur la santé. Alors, rendre visible l'impact du travail sur la santé, ça pose toute une série de problèmes. Et donc, il y a des obstacles que l'on doit pouvoir combattre. Le premier obstacle, c'est que l'impact immédiat, il est évidemment individuel. Ce sont des personnes qui ont mal dans leur corps, qui meurent, ou qui ont des problèmes de santé mentale. Alors que les causes sont des causes collectives. Et donc, le travail que fait ZAMAG depuis le début, c'est justement de montrer comment, à partir d'une infinité de situations individuelles qui peuvent être très différentes les unes des autres, il y a des causes collectives. Ces causes collectives, ce sont les inégalités sociales, c'est l'organisation du travail. Et évidemment, il ne s'agit pas seulement de le montrer, mais il s'agit aussi d'agir pour changer cela. Et donc, le thème... la santé au travail devant les tribunaux, répond à cette question de la visibilité et elle aborde, je crois, surtout deux problèmes. Un, c'est que les questions de santé au travail ne sont pas le résultat de la fatalité. C'est souvent, je dirais, la première réaction face à un problème de santé au travail, dire ben oui, c'est le travail, ça cause des problèmes. Eh bien non, il n'y a pas de fatalité, il y a des responsables, il y a une organisation du travail. Il y a des fautes qui sont commises par les employeurs. Et donc, aller devant les tribunaux, c'est évidemment remettre en cause le mythe de la fatalité. C'est dire non, il n'y avait pas de fatalité. Et alors, il faut se souvenir, c'est pas si loin que ça de nous. Il y a environ 50 ans, quand il y a des procès pénaux sur les catastrophes minières, dans un premier temps, la réaction du patronat, c'était de désigner les juges comme étant les mauvais, parce qu'ils avaient osé mettre en avant
les responsabilités et l'organisation du travail dans les catastrophes minières. Donc ça, c'est un premier problème, c'est lutter contre la fatalité. Et le deuxième problème, c'est lutter contre une vision purement technique des choses. Donc il y a évidemment en santé au travail toujours des dimensions techniques qui sont complexes, mais ça ne veut pas dire que ça échappe à la discussion publique. Et donc, depuis le début, le travail que fait ESAMAC, c'est précisément montrer, je crois, dans un langage vivant et accessible, que les questions techniques difficiles peuvent être discutées, qu'elles peuvent être mises en débat. Et c'est finalement la même chose qui se passe aussi devant les tribunaux quand il y a des procès en santé au travail, c'est qu'à ce moment-là, on ouvre le débat, et souvent, d'ailleurs, ce sont, je dirais, les rares occasions où la presse générale aborde enfin questions de santé au travail qui en général sont plutôt négligées. Ici, j'ai par exemple un titre de presse concernant le procès actuellement en cours des travailleurs de l'entreprise de transport public de la région bruxelloise sur la question du droit de retraite. Voilà, je vais passer maintenant la parole aux autres personnes qui ont collaboré au numéro. Very much, Laurent. We'll come back to you at the end of the presentation. All right, well, that's a running start. And we'll go straight to our next speaker, François, who will be speaking about the French Miners campaign. Go ahead, François. Thank you. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, François Dossot, je suis ouvrier mineur à la retraite. Je ne voudrais pas inquiéter Laurent, mais moi, ça fait 23 ans que je suis théoriquement à la retraite. Voilà, donc, voilà, pour l'anecdote, l'autre jour au marché, on a rencontré un vieux collègue de travail et il me dit comme ça, qu'est-ce que tu fais depuis que tu es à la retraite? Et mon épouse qui était à côté, il dit, tu ne m'avais rien dit. Donc, elle n'a pas remarqué encore que j'étais à la retraite, donc voilà. Donc, je voudrais remercier donc, les organisateurs de ce colloque pour qu'ils nous donnent l'occasion de présenter l'action que nous avons menée sur ce qui a été appelé par les médias le préjudice d'anxiété. Et donc, je vais commencer peut-être par resituer cette action dans l'histoire, dans notre histoire, une histoire où nous avons été condamnés à lutter depuis notre naissance en tant que syndicat sur les questions des conditions de travail et de ce que nous appelons chez nous les conditions d'hygiène et de sécurité, parce que c'est du concret, l'hygiène et la sécurité dans les mines. Nous sommes confrontés à des situations de risque absolument hors normes, et donc nous avons dû nous lancer dans ces actions. Alors, un autre paramètre qu'il ne faut pas oublier dans notre monde des mines, c'est que cette action a été menée dans un monde condamné. L'ensemble du monde minier est condamné depuis les années 60. Et depuis les années 60, nous avons vécu région après région, pays après pays, la fin des mines, quelle que soit la substance, le charbon, le fer, etc. Dans toute l'Europe de l'Ouest, pratiquement les mines sont fermées. Il ne reste que très peu de mines dans l'Europe de l'Ouest. En France, il n'en reste pratiquement plus. Et donc, nous avons dû adapter notre action à cette disparition. Et donc, en fait, l'action syndicale que nous avons menée ces 50 dernières années, elle a dû se mener en même temps et sur les questions d'emploi et sur les questions de reclassement, de reconversion et aussi sur les questions de conditions de travail, de sécurité et d'hygiène. Et c'est un paramètre que nous n'avons jamais oublié. Si on peut revenir sur des suppressions d'emplois, si on peut revenir, même si c'est difficile, sur des questions salariales, il y a une chose que les militants syndicaux, que les organisations syndicales ne peuvent pas faire, c'est de ressusciter les personnes qui sont décédées à cause du travail. Ça, pour l'instant, on n'a pas été capable de le faire. Il y a eu des gens qui ont... Il y a des histoires où on raconte qu'on ressuscite les gens au bout de 3 jours. Nous, pour l'instant, on n'a pas réussi à le faire. Donc, on a compris très vite que cette action pour la vie et la santé, c'est la plus importante. C'est la plus importante parce que une fois que le dommage est commis, rien ne peut le réparer. Rien ne peut faire revenir en arrière. Et nous ne sommes
nous avons toujours mis la protection de la vie et de la santé avant tout le reste, avant l'emploi, avant les salaires. Et ça a été notre marque de fabrique depuis 50 ans, et on a continué et on continue encore aujourd'hui à mettre cette cause en premier. Nous avons utilisé de nombreuses enquêtes actions, ce qu'on a appelé des enquêtes actions, c'est-à-dire c'est des campagnes d'action. La dernière en cours, c'est l'affiche qui est derrière moi sur le cancer du sein. Et donc, je vous expliquerai comment, à partir des conditions de travail à la mine, les anciens mineurs ont lancé une action pour faire reconnaître le cancer du sein comme venant du travail. Alors, notre action, comme l'a précisé Laurent tout à l'heure, nous sommes tout à fait dans cette ligne en disant à partir des cas individuels que nous prenons en charge, parce que nous ne voyons pas comment les gens qui vivent avec nous, qui travaillent avec nous, lorsqu'ils ont un problème de santé, ils devraient aller voir quelqu'un d'autre. C'est l'organisation syndicale qui est là sur le lieu de travail, c'est à elle, d'après nous, bien sûr, c'est à elle de prendre en charge ces questions. Et donc, à partir des dossiers individuels, nous faisons exactement ce que Laurent fait ou continue à faire avec Esamag, de pointer ce qui est du domaine du collectif, de rassembler toutes les données et de dire, voilà, ça vient du collectif et voilà ce qu'il faut changer pour que ces dossiers individuels puissent aboutir ou ne puissent, peut-être sur les situations de risque, ne plus exister. Donc, on a quand même mis aussi en place une permanence, on va appeler médico-légale, donc avec des médecins, avec des juristes, avec des experts, et donc avec un réseau qui s'est tissé au niveau national pour faire intervenir des ergonomes, des spécialistes en pneumologie, enfin, tous les domaines, et qu'on appelle, et qu'on fait travailler avec nous pour la prise en charge et des dossiers collectifs, mais aussi des dossiers individuels, avec des permanences où on reçoit les mineurs qui sont atteints de maladies professionnelles. Donc, nous avons aussi une pratique d'une action judiciaire, on va dire contrainte, parce qu'en fait, nous n'aimons pas aller devant les tribunaux. C'est physique. Chez les ouvriers n'aiment pas aller devant les tribunaux. C'est une tradition, c'est comme ça. Bon, les gens n'aiment pas aller devant les tribunaux. Moi, je me souviens des vieux militants, il y a 50 ans, qui me disaient « Méfie-toi, François, des gens en noir. » Et quand je demandais « C'est qui les gens en noir ?», ils me disaient « C'est les juges, c'est les CRS, c'est les curés, et c'est les avocats. Méfie-toi de ces gens-là, ils ne sont pas bons pour les ouvriers. » C'est très ancré chez les gens. Et donc, nous avons dû passer outre cette crainte de la justice parmi nos mandants. Et nous avons, ça remonte déjà à de nombreuses années, intenté des procès. Laurent a parlé des catastrophes minières. Il a fallu non seulement convaincre les mineurs que c'était une nécessité de porter plainte lorsqu'il y avait des catastrophes minières, mais il a fallu construire les dossiers, parce que dans les premières catastrophes, non seulement les juges n'étaient pas bons d'après nos dirigeants, mais en fait, ils leur donnaient raison. Donc, nous avons vécu une catastrophe minière qui, avec 16 morts, qui s'est terminée par un non-lieu. Mais nous avons poursuivi notre action, et donc après, avec l'expérience, avec aussi le fait d'avoir appris de nos échecs, nous avons réussi à faire condamner nos employeurs, aussi bien pour les catastrophes que pour des dossiers individuels. Donc, il y a une action ancienne, aussi bien au niveau des tribunaux pénaux, du pénal, que du civil, avec les fautes inexcusables au niveau des maladies professionnelles. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation en 2011 où, en fait, nos anciens employeurs, puisque toutes les mines étaient fermées, toutes les mines de notre région sont fermées depuis 2008, et nos anciens employeurs refusaient de reconnaître que les mineurs avaient été exposés à des cancérogènes. Donc, nous avons réfléchi et nous avons essayé de trouver une solution pour avoir une action collective sur cette question des expositions aux cancérogènes.
Et donc, nous nous sommes inspirés de ce qui avait été fait au niveau de l'amiante dans d'autres secteurs, hein, puisque ces actions au niveau du préjudice d'anxiété amiante ont été mises en œuvre par des militants des associations de victimes de l'amiante, en particulier à Bergerac, hein, avec le Serader 24, ou encore avec l'ADEVA de Lyon, hein, avec, qui ont porté leur dossier devant le Conseil des prud'hommes de Sens. C'est à partir de ces deux actions qu'on a abouti à un arrêt de la Cour de cassation en 2010, et on s'est dit que peut-être c'était un moyen, en se basant sur ce qui avait été déjà fait, de pouvoir faire avancer ce dossier et de l'ouvrir à l'ensemble des cancérogènes auxquels nous étions exposés. Et donc nous avons démarré cette action devant le Conseil de prud'hommes de Forbach. Il y avait environ 860 personnes qui ont porté plainte contre leur employeur, qui était les rouilleurs du bassin de Lorraine. Nous, la CFDT défendait environ 760 personnes. Aujourd'hui, il en reste 728, hein, qui sont encore défendus par la CFDT, et nous venons donc de gagner devant la Cour d'appel de Douai la reconnaissance de ce préjudice d'anxiété, et surtout la reconnaissance que nous avons été exposés à des cancérogènes. On en a repéré environ une trentaine de cancérogènes qui sont des cancérogènes avérés sur la liste du CIRC, hein, ou de YARC en anglais. Voilà, donc sur cette liste de cancérogènes avérés pour l'être humain, on en a repéré une trentaine auxquels nous avons été exposés. Et donc la Cour d'appel, faisant suite à la décision de la Cour de cassation du 11 septembre 2019, reconnaît que donc, des salariés qui sont exposés à des toxiques et qui peuvent craindre pour leur santé peuvent attaquer leur employeur et donc demander à ce que ils soient condamnés. Et donc c'est ce que nous avons réussi à faire. Et donc aujourd'hui, suite à cette action, le préjudice d'anxiété qui était circonscrit aux seuls travailleurs de l'amiante est donc ouvert aujourd'hui en France à tous les salariés exposés à des produits toxiques. Ça couvre à peu près, d'après les chiffres du ministère du Travail, on peut dire qu'il y a un peu plus de 6 millions de personnes qui pourraient être concernées, hein, qui sont exposées à des produits cancérogènes et toxiques. Parce que la liste des produits est très très vaste, hein. On n'a pas que des cancérogènes. Par exemple, le plomb n'est pas classé forcément par tout le monde comme cancérogène, mais c'est un toxique puissant, et donc il peut provoquer de gros dégâts en matière de santé, et donc on peut, les salariés exposés au plomb, par exemple, peuvent attaquer leur employeur. Et donc l'intérêt de cette procédure, c'est que nous ne sommes plus obligés d'attendre que la maladie soit reconnue comme maladie professionnelle, qu'elle soit malheureusement avérée, mais donc nous pouvons intervenir bien en amont et dès que le risque est repéré. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Alors bien sûr, la question c'est, est-ce que beaucoup de salariés en France pourront le faire aujourd'hui? C'est un problème, en particulier pour tous les salariés qui sont dans des contrats précaires et qui sont souvent les plus exposés. Et donc c'est les personnes vont craindre pour leur emploi et ne vont pas oser le faire. Ça, c'est le risque que nous avons. Mais si nous pensons que nous pouvons mener des campagnes coordonnées et, par exemple, ouvrir une brèche dans un certain nombre de grosses entreprises avec des salariés qui viennent juste de partir à la retraite, puisque cette procédure doit être mise en œuvre soit lorsqu'on est encore dans l'entreprise, soit dans les 2 ans qui suivent notre départ de l'entreprise. Donc, si un certain nombre d'organisations qui nous écoutent aujourd'hui, de militants qui nous écoutent aujourd'hui, sont en capacité de mettre en œuvre des procédures avec, par exemple, de jeunes retraités, c'est, tout le monde a y gagné, les salariés, les retraités, les organisations, et il y a moyen peut-être de lancer une action dans beaucoup de secteurs où les risques sont très importants. J'ai à peu près résumé l'action que nous avons menée. Alors bien sûr, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est une action où
où toutes nos prétentions, tout ce que nous annonçons doit être démontré. Doit être démontré collectivement pour l'ensemble du groupe et doit être démontré individuellement pour chacun des membres du groupe. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme travail à faire si on se lance dans cette affaire, dans ce type de dossier. Mais je crois que même si nous sommes toujours réticents à aller en justice, je crois que il y a les choses sont en train de changer, en tout cas chez nous, et je crois qu'il il faut surtout ne pas sous-estimer l'impact que peut avoir des procès comme celui-là. Et nous avons eu, quand nous avons fait condamner notre entreprise au niveau pénal, le rapport de force a été complètement inversé dans l'entreprise. C'est-à-dire que lorsqu'un délégué disait à un directeur qui ne voulait pas changer les conditions de travail, je vais m'adresser au procureur de la République et porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, l'employeur reculait parce qu'il savait qu'on était capable de les faire condamner. Et donc, il faut à un moment donné que les employeurs soient mis en difficulté et admettent qu'ils doivent négocier et admettre la concertation. Parce que nous, s'il y avait eu une concertation dès le départ, on n'aurait pas été obligé d'aller en justice. Aller en justice, c'est un moyen de forcer l'employeur à discuter et à faire admettre la prévention dans l'entreprise. Voilà, c'était l'objectif de notre action. Et bien sûr, nos employeurs peuvent encore aller en cassation, mais je pense qu'on a fait le plus gros et qu'on a fait reconnaître que nous étions exposés et que ces expositions étaient des conséquences des manquements de l'employeur aux règles de prévention. Et aussi bien la Cour de cassation que la Cour d'appel de Douai font référence à la circulaire de 89, la circulaire européenne sur la prévention de 89, qui a été reprise en droit français dans le Code du travail. C'est les articles 41-21-1 et 41-21-2 du Code du travail français qui reprennent les principes de la directive de 1989. Et donc aujourd'hui, un employeur qui ne respecte pas la directive de 89 peut être poursuivi et les salariés peuvent être indemnisés pour l'anxiété qui est créée par ces manquements. Voilà, je crois que j'ai à peu près résumé notre action et puis je répondrai avec plaisir s'il y a des questions tout à l'heure. Merci à tous pour votre écoute. Very much, François. That was really a lot of interesting topics covered that I'm sure will come up again in different ways in all of the presentations, and certainly we'll go into them more deeply in the discussion. Next, we're going to turn to Marianne Scavman, who will be talking about the Chromium 6 case in, well, the Netherlands and also Belgium. In fact, there were three cases, no? All right, well, you've got three cases to squeeze into 12 to 15 minutes. Go ahead. Thank you, Bethany. And indeed, it is a challenge to treat those three cases in 10 minutes. First of all, I want to thank also François Dosso for his extremely interesting contribution, because and we were happy to have François as a speaker in one of our seminars on the topic last year. And we had yesterday actually, well, let's say a man in black on the good side. We had the lawyer on this case in our big OSH conference, our annual conference yesterday, which also was on the topic of litigation. And that is something I want to stress from the outset. Strategic litigation is a key topic in EQI. Strategic litigation on OSH is a strategic is a key topic in EQI these coming years, and this issue of Hezamach contributes to it very strongly. Why? Well, we had this just illustrated by François. Hezamach is a magazine that tells the stories from the real life. It always starts from the workers, and we just heard the story of François. Please read this article, because it shows the long and winding road workers have to go. I think it goes even back to 1995, maybe probably even further back.
the long and winding road to a fantastic result, because the recognition of anxiety is as a damage is really important. Now, 10 minutes, I have only 9 left for my own story. 3 cases on chromium 6, 2 in the Netherlands and 1 in Belgium. And there is so much to tell about it, but I will shortly tell the stories, what is at stake. I will go into the procedures and I will speak about the strategic elements. And basically my main message today is think broad, think broader than just legal. Think about what do you want to achieve with a legal case? How do legal cases relate to what is going on in society? How can we help people, as many as people as possible, as good as possible? The linkages between the legal proceedings and the broader societal cause that we serve is really important. Now, the stories about the Chromium 6 cases. Those are 3 cases. One was in the Ministry of Defense in the Netherlands, who had exposed 2,400 workers during the years 1984 till 2006 to Chromium 6 while working on NATO premises. So they worked on tanks. The second case is a case of the city of Tilburg. It's a city in the south of the Netherlands. That city had made a project to enter unemployed people into the labor market. So it was a back to work project, and it involved 800 workers being forced to work. I mean, it's a kind of forced labor, because they could not refuse. They could not, because they would otherwise lose their benefits. They were forced to work in on trains, and exactly the same situation. The same kind of work as in the Ministry of Defense, grinding, sanding, welding and spray painting of trains. The third case is on the Belgian railway, the National Belgian Railway Company. I don't know the number of workers, but they were exposed for decades also to chromium 6 while working on trains. Now, the way things were treated in both countries were not were different. And actually, in the Netherlands, things were not treated by going to court in the first place. They were treated in some kind of negotiation procedure. Both in the Ministry of Defense and in the city of Tilburg, an independent committee was installed, and this committee conducted. It did not conduct research itself, but it had research conducted by the National Institute for Public Health and the Environment. It's a government institute that does these kind of research, and there was a clear demand from the trade union side, from the worker side. We want medical examinations, free medical examinations. So in the diagnostic sense also, we want every stone turned, so it must become clear what has happened. So this is this research project that I mentioned. And thirdly, we want the workers to be compensated. And the result was both in the Ministry of Defense and in the city of Tilburg that, there has been established an enormous body of research on the topic of chromium 6.
three, four, 5 years of research have had an enormous amount of pages on the issue. Very useful about the causal link between chromium 6 and certain diseases, but also the way people were exposed, the way the substance can enter into the body, legal issues were treated. So it is really, that's a useful result in the first place. Secondly, on both, both in the Ministry of Defense and in the city of Tilburg, financial settlements were negotiated. And the good thing was that in both cases also, there was a financial settlement after a very short period of time. So after 3 months, the Ministry of Defense came with a so-called how do you say that in English? A settlement to approach the people, let's say. So it was a minor financial compensation for all the people that had fallen ill from a disease that was on the list that was, well, set up by the research project. And at the end of the research project, there was a better compensation, higher amounts. It was amounts between 5,000 and 40,000 euro. Now, of course, this doesn't cover the damage. I mean, that is, but those were the result of this process. The same went for Tilburg. And in Tilburg, in the city of Tilburg, there was another element that was really interesting, the kind of compensation. The workers in Tilburg got a compensation for anxiety. And this was given to all 800 workers involved. And on top of that, there was also this compensation for the people that had fallen ill, the same amounts as in the Ministry of Defense, between 5,000 and 40,000 euro. Now, so this has all been arranged, let's say, outside court. And remember that, because I will come back to that later. What has it to do with strategic litigation? I come back to that later. And the third case is the Belgian case. It involved the workers from of the National Railways Company, and they too had worked on trains, sanding, grinding, welding, spray painting, a lot of dust with chromium 6 in it. It was really a bad situation. And here the legal road was followed. And and what is interesting is that in an early stage, already the labor inspectorate was involved, and the unions have been, the workers have been really active to issue this problem, to make clear we have a problem. So it could not be said that it was not known or something. They involved the labor inspectorate, asked them to stop the work. And at the basis of this, the criminal case had a strong position for the workers. So the case was brought to court, and I cannot explain it as good as the Belgian lawyer Jan Bulens, who was involved, can do it, but I will try my best. It was brought to court by the prosecutor, and this brought the people in a good position for proof. Then a second element that was really important here is that the workers themselves were completely engaged into this case. And normally, this is not always the case in these cases, because people are afraid to lose their job, et cetera, or they don't want to have the fuss or whatever. So all the workers were engaged in the case and also posed themselves as a civil party. So it was not only a penal case, a criminal case, but it was also a civil case. And the third element that was mentioned by Jan Bulens, the lawyer, and his colleagues, was that he had great cooperation with the Dutch lawyers, and he could take advantage of the research that had taken place in the Netherlands in the years after him. So that was also really good. The case was won in one sense and lost in another. It was won, the,
in the criminal sense. So the company was convicted to pay a fine of 210,000 euros, which is really seen as a great victory in this respect. The case was lost from the civil side, so the workers were without money. They did not get any compensation, which is of course very sad. And I advise you indeed to read the articles, because you will get a broader picture of the case if you read it. There are positive elements, there are negative elements, or negative, not entirely negative, but difficult elements. Now, what is strategic about these cases? It's first of all, the Dutch cases, no lawsuits involved. What does this have to do with strategic litigation? Well, therefore, I need to go back in the history, and I need to tell you that the Dutch Trade Union Confederation started its occupational diseases office, specifically dedicated to occupational diseases, in the year 2000, in order to assist, to help individual workers in filing a claim against their employer. Not all those claims necessarily go to court. About 20-25% go to court. The others are being settled among employer and worker. But the workers have had the support of the union all over these years, ever since the year 2000. And by doing so, FNV did not only help the individual workers, but also established a body of jurisprudence that was impressive. Alongside with that, and there I go outside of the legal reasoning, it's not only about creating this body of jurisprudence. It's also about giving voice to what you are doing in this legal course. So those cases were being put into publicity, let's say, politics, media, etc. And so the results in this negotiation process on those two cases, I think it should be thankful to all the work done ever since 2000 on strategic litigation. There is a pitfall, however. We now made those collective arrangements for all of these victims. They all get all the victims that have an illness from the list of the research institute, they get a compensation. The risk is that this compensation is not high enough, or that maybe you have an illness that is not on the list. And there is a risk. And then in the Netherlands, there is the possibility to go to court after all. I mean, you can ask for more. And you can also say, I have another illness, it's not on the list, but I'm still convinced that it's there. And this is tricky, because I know I have to stop, Bethany. I see your face. I will soon come to an end. There we have to be careful. Is it, sorry, I'm distracted. We have to be careful. Is it really, is a list, doesn't it keep the judge from recognizing something what is outside the list? And I'm sure we will come to that later, because Pierre Birastigi also has a case like that. Belgium has a list system and an outside list system. In the Netherlands, we don't have something like that. But with the Chromium 6 cases, we go into that direction, but at the same time, we see the pitfalls from there. I cannot go into the details anymore of the Belgian case. I'm very sorry. What I want to say is, please read. And I hope this issue of Hezamach contributes to the strength and endurance and the inspiration that we need to continue the work that apparently many of us are already conducting for many, many decades. Thank you very much. Thank you very much, Marianne. Really interesting points, particularly about the
cross-country cooperation, the obviously differences, the ability to learn from each other, which hopefully we'll be doing here as well. Really fascinating stories. Okay, our next speaker is the journalist Berta Chulbi. We'll be talking about a case of corruption with a prevention service in Barcelona. Berta, go ahead. Bonjour, bonjour. Je voudrais remercier Samar pour la confiance qu'il m'a accordée pendant les dernières années, car l'état de salut de mon français n'est pas parfait et ma connexion à Internet, ça fonctionne comme ça. J'avais enregistré un petit vidéo que je pense que Bethany sera au mari, serait prêt à tout partager à ce moment-là, mais je serai ici pour les questions et pour les discussions après les vidéos et avec les débats généraux. Merci. L'histoire que je raconte dans le numéro 22 de Samar est une victoire syndicale devant les tribunaux, dont la valeur principale est qu'elle montre clairement une dynamique qui est vox populi, c'est-à-dire une pratique dont tout le monde sait qu'elle existe, mais qui est très difficile à prouver. C'est que très souvent, les services de prévention sont prêts à sacrifier les travailleurs pour entendre la demande de leur clientèle, qui sont les entreprises. Le protagoniste de cette histoire est un travailleur, Denis Garcia, à savoir un chauffeur de bus, qui est une personne ayant un grand sens de la justice et quelqu'un très capable de résister à la pression de l'entreprise. Ce travailleur décide de se présenter aux élections syndicales et il est élu délégué syndical avec commissions ouvrières. Les propriétaires de l'entreprise où Genis travaille, c'est une entreprise moyenne et familiale, et un patron à l'ancien style. Ses pratiques de gestion sont très autoritaires et l'exposition aux risques psychosociaux des salariés, c'est important dans l'entreprise. La surcharge de travail et le caractère arbitraire de l'attribution des tâches et des sanctions, comme on explique dans les reportages avec des cas concrets, sont la norme à l'entreprise. Denis fait son travail syndical devant l'inspection du travail, qui normalement donne des supports aux demandes du travailleur, et devant l'entreprise. Et ça, c'est une chose que les propriétaires n'acceptent pas. Dans ce contexte, les travailleurs tombent malades, mais continuent à exercer ses fonctions de délégué syndical. Quand Genis reçoit de son médecin l'autorisation de reprendre le travail, d'accord à la législation espagnole, il doit également obtenir un rapport du service de prévention. L'esprit de cette règle est que l'entreprise doit aménager les postes de travail du salarié après un arrêt prolongé pour éviter toute détérioration de la santé d'un travailleur qui est déjà vulnérable. D'accord, donc la médecin du service de prévention rend un premier rapport dans lequel elle considère que Genis est apte pour son travail. Mais une semaine plus tard, le chauffeur lui signale qu'il prend un médicament qui est réputé incompatible avec la conduite. À ce moment, la médecin émet un deuxième rapport dans lequel déclare que Genis est temporairement inapte à exercer son travail et propose un changement de poste temporaire pendant que les chauffeurs réduisent progressivement les doses de cet médicament. Quelle est la réponse qui Genis trouve pour la part de l'entreprise? Donc l'entreprise lui dit qu'elle n'a pas d'un autre emploi pour lui, que celui des chauffeurs, et lui fait passer 20 jours assis dans le bus comme s'il était un passager et non un travailleur.
toute la journée. Je pense que l'intention de la société était que Janice lui-même demande la résiliation de son contrat de travail, mais Janice résiste. À cette époque, des élections syndicales sont convoquées dans l'entreprise. Le patron fait toutes sortes de manœuvres pour éviter que Janice soit élue et qu'on raconte avec des détails au reportage. Mais finalement, Janice sort élue en tant que représentante des travailleurs à l'entreprise. Et c'est après son élection que le patron lui communique qu'elle était licenciée pour inaptitude manifeste sur la base du nouveau rapport du service de prévention. Un nouveau rapport où la médecine dit que le travailleur n'est pas apte à occuper son poste. À ce moment-là, Janice s'adresse à la commission supérieure et avec le support du syndicat, conteste les licenciements en justice. Comme il explique à l'article, Francesca Fuentes, avocate du syndicat Commission Supérieure, le témoignage de la médecine est la pièce maîtresse de ce jugement. Parce que pendant le procès, l'avocate des commissions supérieures demande à la médecine s'il avait examiné de nouveau les travailleurs avant de rendre le troisième rapport et elle répond que non. À ce moment-là, l'avocate lui demande comment il était possible qu'elle et modifier son diagnostic sans pratiquer un examen du patient et sans qu'il y ait aucun changement de l'état de santé de ces dernières, des travailleurs, n'a été constaté. À ce moment, la médecine dit la vérité et elle déclare que c'était la direction de Quirón Prevención qui l'avait appelée pour lui dire de modifier son rapport. Donc, avec ce témoignage, les magistrats déclarent nul le licenciement et estiment que le travailleur a été persécuté par l'entreprise en raison de son activité syndicale. Pour cette persécution, condamne l'entreprise à payer un amende de 50 000 euros pour violation des droits fondamentaux, notamment les droits à la représentation et à la liberté syndicale. Le service de prévention protagoniste de cette histoire, ce n'est pas une petite entreprise. Quirón Prevención, c'est le plus important de son secteur. Il représente les 40% de la prévention en Espagne. Nous avons parlé avec la médecine. On a réussi à avoir le téléphone et elle continue à travailler pour Quirón Prevención, mais elle a refusé de faire des commentaires. C'est clair parce qu'il se trouve dans une position vraiment difficile. La clarté du jugement n'a pas suffi à faire changer l'attitude des patrons qui continuent d'intimider son employé. En pleine pandémie, alors que le personnel était en chômage temporaire, l'entreprise a réussi à convaincre 4 travailleurs de convoquer une assemblée extraordinaire pour révoquer Janice. Les travailleurs ont été soumis à un chantage, votèrent la révocation de leurs délégués ou restèrent en chômage temporaire. Sur les 26 travailleurs, 15 ont cédé. Et nous avons pu vérifier que les travailleurs qui n'ont pas assisté à l'assemblée n'ont pas été appelés par l'entreprise pour travailler ou ils ont été appelés les dernières. Maintenant, Janice est en congé. Le plus dur pour lui a été cesser d'être délégué syndical et vraiment il est très affecté psychologiquement pour tous ces process. Il a proposé au syndicat poursuivre Quirón Prevención dans le cadre d'une procédure pénale, mais il n'a pas trouvé une réponse positive
parce que c'est pas facile, c'est pas évident. Il étudie à ce moment-là la possibilité de gérer personnellement ce processus pénal, mais il y a des doutes. Il y a peur que seule la médecine et nos quiroprévention payent pour ce qui s'est passé. Et Janice pense que la médecine est une autre travailleur victime des pratiques patronales autoritaires. Bon, et merci pour partager les vidéos. Je ne sais pas si j'ai encore un minute ou pas. Je crois oui. Et bon, c'est vrai que c'est un cas qui nous a choqués à tous parce qu'il a mis clairement blanco sobre negro, negro sobre blanco, on dirait en espagnol, noir sur blanche. La réalité qu'on sait qui se passe. Et on connaît que la privatisation de la prévention a provoqué des dynamiques comme celles qu'on vient de raconter. Parce qu'au fond, l'entreprise, c'est les clients du service de prévention et les contrôles théoriques que les travailleurs peuvent faire sur le service de prévention, c'est peu réel. Donc, bon, finalement, les cas, c'est firme parce que l'entreprise n'a réussi pas à tomber la décision du premier magistrat. L'entreprise a essayé d'avoir un jugement favorable à la haute courte de Catalogne, mais il n'a pas réussi et la courte a confirmé la décision du premier magistrat. Mais à ce moment-là, les travailleurs s'est comment affecté parce que ils voudraient continuer avec la cause pénale, mais c'est pas facile et à ce moment-là il est en train de souffrir. J'avais parlé avec lui la semaine dernière et c'est vrai qu'il a sorti. C'est un triomphe collectif, mais à ce moment-là, il est encore dans l'entreprise avec toutes les pratiques autoritaires du patron et c'est un peu difficile. Et ça, c'est tout pour moi. Thank you very much, Berta, and also for that more personal touch. You've had so much contact with the worker involved, so that really gives us another level of insight. Apparently, there were some problems with my microphone, so I hope I put the headphones in now, so I hope and my colleagues will tell me if there are still issues. I hope not. Okay, on to our final speaker then. We have Pierre, who will be talking about the Belgian case, and he has a presentation as well. Yes, my microphone works. Perfect. Okay, Pierre, go ahead. Merci, Bethany. Est-ce qu'on voit bien ma présentation? Oui. Oui. Yeah. Okay. Cet article retrace l'histoire d'un long bras de fer juridique qui opposa d'un côté FEDRIS, donc l'Agence fédérale des risques professionnels en Belgique, et d'un autre côté un groupe de travailleurs de l'entreprise Polypal, une entreprise spécialisée dans la fabrication de rayonnages métalliques. Et cette affaire, c'est un peu un cas d'école, ou en tout cas une affaire emblématique, parce qu'elle met en évidence toute une série d'obstacles, de dysfonctionnements liés à la reconnaissance des maladies professionnelles en Belgique. Et donc, au cours de cette très brève présentation, je vais tenter de résumer au mieux cette longue et dense affaire, et tout en identifiant ces obstacles qui ont été rencontrés par ces travailleurs et ce que ça nous apprend sur le système de reconnaissance en Belgique. Hop. Alors, l'affaire Polypal commence fin des années 2000,
date à laquelle quatre travailleurs de l'entreprise développent les premiers symptômes de ce qui s'avérera être un cancer du sang. Et après une enquête d'exposition, les solvants utilisés par ces travailleurs seront incriminés comme cause potentielle de ces cancers. Ces solvants contenaient jusque dans les années 90, si je ne me trompe pas, du benzène, qui est désormais classé comme cancérogène avéré pour l'homme. Et donc, en 2006, quatre demandes individuelles seront introduites auprès de FEDRIS pour faire reconnaître ces cancers comme maladies professionnelles. Mais ces quatre demandes seront rejetées par FEDRIS sans motivation précise, sans motiver les raisons de ce rejet. Et naturellement, les travailleurs vont saisir le tribunal du travail pour faire valoir leurs droits et faire reconnaître l'origine professionnelle de leur cancer. Et ça nous amène au premier dysfonctionnement, au premier obstacle qu'ils ont rencontré, c'est que les quatre dossiers de reconnaissance vont être traités de façon isolée, quand bien même que ces dossiers portent sur la même entreprise, Polypal, le même facteur d'exposition, le benzène, et le même type de pathologie, des cancers du sang, quand bien même ils seront traités isolément. Les dossiers seront répartis dans différentes chambres judiciaires et chaque chambre désignera un expert chargé donc d'établir la causalité. Et en fait, ce mode de fonctionnement n'est que le reflet de la façon dont sont traités les dossiers par FEDRIS, parce que chaque demande est considérée de manière tout à fait individuelle, isolée. Alors évidemment, l'individualisation des procédures est nuisible à la compréhension et à la prévention des maladies professionnelles, parce qu'en recherche comme en droit, bien entendu, c'est l'accumulation d'éléments de preuve qui va permettre d'étayer un jugement ou une hypothèse. Donc ça, c'est vraiment le premier obstacle qu'ils ont rencontré. Et ça souligne un peu l'aberrance de cloisonner les dossiers de la sorte. Alors, ensuite, donc retour sur l'affaire, sur le déroulé de l'affaire. Les experts donc, mandatés par les différentes chambres vont poursuivre leur mission d'expertise de façon isolée et vont chacun conclure quant à l'absence de certitude quant à l'origine professionnelle de ces maladies. Donc, les experts considèrent d'un point de vue probabiliste que les éléments de preuve scientifiques disponibles dans la littérature scientifique sont insuffisants pour parler de certitude dans la relation entre le benzène et les formes spécifiques de cancer du sang développées par ces travailleurs. Cancer du sang relativement rare pour deux d'entre eux. Mais en réalité, la notion même de certitude est absente du cadre législatif du système LIST auquel appartiennent les maladies provoquées par le benzène. Il faut prouver donc l'exposition à un facteur d'exposition dans la liste et la maladie développée. Mais la causalité entre les deux est présumée dans le système LIST. Donc, il n'y a pas de cette notion d'apporter la preuve de la causalité. Et face à ça, la stratégie de défense de FEDRIS va consister à plaider en faveur d'un reclassement du dossier, non plus en système LIST, mais en système ouvert. Donc, système qui reprend toutes les maladies qui ne sont pas dans le système LIST, et surtout un système qui leur permet d'exiger une preuve déterminante de la relation de causalité. Donc, un système beaucoup plus contraignant pour le travailleur. Et donc, ça nous amène au second obstacle, c'est qu'en réalité, il existe un flou juridique sur... qui concerne certaines maladies reprises dans le système LIST, et dans le cas qui nous occupe, en fait, seul l'agent causal, donc le benzène, est défini dans la liste, mais les maladies générées par le benzène, elles, ne sont pas spécifiées. Et donc, FEDRIS va utiliser ce flou juridique pour demander un reclassement du dossier en système ouvert,
et donc pour faire porter la charge de la preuve aux travailleurs. Ce qui, évidemment, ajoute un obstacle supplémentaire, un obstacle juridique, mais aussi un obstacle financier associé à ce type de démarche. Alors, entre-temps, en 2009, le Centre international de recherche contre le cancer va publier un nouveau rapport scientifique. Et dans ce rapport scientifique, on va retrouver comme facteur d'exposition aux formes de cancer du sang développées par ces travailleurs, on va retrouver le benzène. Donc, on aura cette notion de causalité dans ce rapport. Et donc, au vu de ces nouveaux éléments, le tribunal du travail va décider déjà, premièrement, de regrouper les quatre dossiers, ce qui est déjà une victoire d'un point de vue syndical, et puis de désigner un nouveau collège d'experts pour réaliser un nouvel examen de la littérature sur la question. Et en 2013, le nouveau rapport d'experts rejoint les conclusions du CIRC, et conclut que l'exposition au benzène a causé les cancers présentés par ces travailleurs. Donc l'affaire aurait pu s'arrêter là, mais en réalité, on n'est qu'à la mi-chemin de ce calvaire judiciaire, dans la mesure où Fédris va décider de faire appel de la décision, de mandater son propre expert pour réaliser un nouvel examen de la littérature. Et donc, ça va donner lieu à une bataille d'experts. Durant près de 6 ans, les rapports vont se succéder pour, au final, aboutir à la même décision que 6 ans plus tôt, à savoir à la reconnaissance de l'origine professionnelle de ces maladies. Et donc, ça nous amène au troisième obstacle ou dysfonctionnement, qui est plutôt lié à, on va dire, à l'attitude de Fédris vis-à-vis du travail de contestation, dans la mesure où il n'y a pas de réelle remise en question de la part de Fédris en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques sur les pathologies et leurs causes. Et au contraire, comme l'affirme d'ailleurs très clairement Fédris dans son droit de réponse à l'article, Fédris cherche à faire valoir, ouvrez les guillemets, son point de vue, à savoir le point de vue qu'elle a suivi dans le cadre de l'instruction des demandes. Alors, ça a le mérite d'être consistant ou cohérent avec l'affaire, parce qu'effectivement, Fédris a toujours défendu la même position que celle de 2006, quand bien même que les connaissances scientifiques sur la question ont évolué en 13 ans, mais elle a toujours défendu la même position. Et ça explique pourquoi, malgré un rapport du CIRC en 2011, l'affaire n'a été classée qu'en 2019. Donc, en guise de conclusion, voici quelques chiffres sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles en Belgique, qui illustrent bien que l'affaire Polipal, c'est une affaire parmi d'autres. Elle est emblématique parce qu'elle met à jour pas mal de choses, mais c'est loin d'être un cas isolé. En 2019, donc, près de 8000 demandes ont été introduites. 76% de ces demandes ont été rejetées par Fédris. On dénombre 847 procédures de contestation, procédures judiciaires à l'endroit de Fédris en 2019. Et dans 55% des cas, la justice tranche en faveur du demandeur. Et donc, dans 55% des cas, la justice considère que le rejet de Fédris n'est pas justifié. Mais surtout, ce que ces chiffres nous disent, c'est que plus de 5000 rejets n'ont pas été contestés par les travailleurs. Et là, je rejoins ce que François Dossot a dit. Il y a une certaine crainte de s'engager dans des procédures judiciaires. Et ce n'est pas super étonnant, parce que comme en témoigne l'affaire Polipal, quand on considère l'ampleur des obstacles juridiques et financiers à ce type de démarche, on n'est pas trop surpris que 5000 rejets ne soient pas contestés par les travailleurs. Donc voilà. Thank you, Pierre. Very good timing. Right on.
another very interesting case as well. And I notice in each one, it involves a different kind of organization, institution. So we're sort of seeing this very multifaceted area, this subject from so many, all the different players involved and how there can be so many different obstacles at different points. Well, before we go to the discussion, I'll ask Laurent to say some more, a few more words about, as the editor of this issue, perhaps you could draw the links between these, this great variety of cases from different countries, and tell us what you think are the key points to pick up on there. Thank you. Oui, donc il y a plusieurs histoires différentes qui se passent dans des pays différents, qui passent par des juridictions différentes, mais il y a un point commun. Et ce point commun, je dirais, c'est qu'il permet de sortir de la cage. Alors, je vais expliquer ça, parce que ce n'est pas évident. Alors, de quelle cage s'agit-il? Eh bien, c'est que pour le patronat, les lieux de travail sont des espaces privés. Ils sont les propriétaires et c'est eux qui décident. Ça, c'est leur vision fondamentale. Et donc, les règles publiques qui défendent la vie humaine, qui défendent la santé, pour eux, ne sont pas applicables telles quelles. C'est eux qui décident quel est le niveau d'application de ces règles. Et pour faire valoir cela, ils cherchent en permanence à mettre la vie et la santé comme un élément de négociation à l'intérieur du contrat de travail, mais aussi à l'intérieur des négociations collectives. Et comme le disait tout à l'heure François, bon, on peut récupérer des salaires, on peut récupérer un emploi, on ne peut malheureusement pas récupérer une vie, on ne peut malheureusement pas récupérer une atteinte à la santé une grave atteinte à la santé qui vous laisse définitivement, je dirais, affaibli. Et donc, ce que permettent ces procès, c'est précisément de sortir de la cage, de dire, sur le lieu de travail, ce n'est pas l'employeur qui décide ce qu'on va mettre dans le contrat de travail, on va en extraire la santé et la vie. Et ça, ce sont des biens qui sont protégés de manière publique. Et je crois que ça aide énormément les organisations syndicales, parce que souvent les organisations syndicales ont une approche paritaire, et le paritarisme a des mérites, mais il a aussi ses limites. C'est que quand il n'y a pas de rapport de force, eh bien, qu'entend-on du côté patronal, ben c'est toujours un chantage. Hein, il y a énormément d'affaires dans l'histoire de ces 30-40 dernières années qui ont porté sur l'amiante. Et quel était le chantage? C'était, vous voulez supprimer l'amiante, vous voulez interdire l'amiante, mais vous allez perdre des millions d'emplois dans le monde. Bon. Et donc, le chantage patronal, c'était d'opposer l'emploi à la vie humaine à partir du moment où on ne pouvait plus nier que l'amiante causait énormément de morts. Et donc, je crois que ça, c'est un élément important dans le fait d'aller devant les tribunaux, c'est de dire qu'il n'y a pas simplement la partie syndicale, la partie patronale dans l'entreprise ou à un niveau plus élevé dans le secteur qui discute de ces questions-là, il y a à un certain moment des droits fondamentaux que l'on va invoquer et c'est pour cela que l'on va en justice. Et évidemment, le droit à la vie, le droit à la santé sont des droits fondamentaux et donc pour ces droits fondamentaux, la justice devient un outil, un levier qui permet de casser la cage, de sortir de la cage, de ne pas être prisonnier d'abord du chantage individuel dans le contrat de travail ou du chantage collectif dans le cadre de la négociation collective du paritarisme. Je propose donc maintenant de passer, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, donc c'est Bethany qui va organiser, je crois, le débat autour des questions. Yeah, well, we'll try and answer as many as possible. So all of our speakers, thank you so much for your presentations. If you could all turn your cameras on now, and we'll go to the discussion. Perhaps before we go to a very specific question, do any of you have any replies to what Laurent just said, just to kick us off on this point about this is one way of going public, particularly on, because I think a lot of people have talked about this element of anxiety and mental distress and the psychological impact on the worker. And obviously, so this is one way to bring it into the public sphere, but the other side of the coin is that it's also a huge pressure and stress to go to court, to sort of go through this process. I mean, we've seen how many obstacles there are. Does anyone have anything to say on that point, and particularly on the role of trade unions and those who work for trade unions in a legal capacity? Is this something that they should be
pushing more for when they see these issues happening? Should they be pushing the workers towards this? Should they be waiting for the workers to come to them? What is that kind of relationship and how can they navigate that? Anyone? Marianne? Yeah, go for it. Yeah, thank you for bringing this up. It's a very essential issue. You basically frame it as okay, going to court is necessary, is useful, but it's also quite an ordeal, and it brings a lot of pressure to the workers as well. So it has other consequences. I think here two elements are important. First of all, support. Support. I mean, and that is from the union's side. It should be, so it's really, really necessary to engage in this issue. Workers need it. They are on their own against powerful employers, and it's hardly possible to endure that, to stay in a procedure like that without any support. That's one. The other thing, and it was also mentioned yesterday and discussed into that in our conference on this issue, is that it is really needed that we see litigation going to court as complementary to negotiation and not as opposite to negotiation. So what do I mean by that? If you are in difficult circumstances in your work or unhealthy circumstances, of course you go to your employer and you say something about it. And if the employer doesn't listen, you might involve your safety rep or your trade union to get into the conversation. But if there is a refusal, a remaining refusal on the other side, then well, we might turn into something conflictuous. And I think it's really important to realize that negotiation and going to court should not be opposed to one another, but are steps in a continuum. So, I mentioned it yesterday as well. It's also a civil way to disagree. It's a civil way to disagree, to go to court and to say, we agree to disagree. We go to court and we let the judge upon our case. And I think especially within the unions, we should be really careful not to oppose the negotiation against the litigation. Let's bring them together. And sometimes we have to be, we can be the good cop and sometimes we can be the bad cop, if you see what I mean. It's being the bad cop, meaning enter into the conflict and put it into the open. So I think that is really important. Thank you. And I'll remind our speakers, please just raise your hand. Your literal hand or the virtual one, anytime that you would like to add something, please feel free. Anything? You going for the real hand, Laurent? You would like to say something? Oui, je crois que ce qui est aussi important, c'est que les procès non seulement aboutissent à des victoires individuelles, mais c'est aussi un acquis collectif. Et donc, si on prend les centaines, voire les milliers de procès sur l'amiante, c'est certainement un des facteurs importants qui a permis l'interdiction de l'amiante. Je crois que s'il n'y avait pas eu ces procès, peut-être qu'on serait encore en train de continuer à utiliser de l'amiante en Europe. Et donc, le fait qu'il y ait eu un grand nombre de procès sur la question de l'amiante a permis de gagner sans doute des années, et des années, ça veut dire des centaines de milliers de vies, par rapport à ce qui se serait passé sans ces procès. De même maintenant, cette année 2021, que des décisions décisives vont être prises en ce qui concerne le glyphosate, hein, un herbicide utilisé massivement, ben, je suis convaincu que le fait qu'au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de procès où des travailleurs ont obtenu une indemnisation parce qu'ils étaient exposés au glyphosate, ça va être un des éléments qui va peser dans la décision finale. Et donc, il y a là, je dirais, un intérêt collectif énorme. Et il y a eu récemment un procès qui a eu vraiment un très, très grand impact, c'est le procès France Télécom en France. Parce que pour la première fois dans le monde,
il y a une juridiction qui, dans une affaire de harcèlement, a clairement mis en avant le harcèlement organisationnel. Autrement dit, ce n'est pas un problème de relation entre tel responsable et tel travailleur, puisque dans le cas d'une entreprise aussi grande que France Télécom, les membres du management central n'avaient évidemment aucun rapport direct avec les travailleurs qui se sont suicidés, mais il y avait un harcèlement organisationnel, c'est-à-dire que toutes les décisions importantes prises par le management en matière d'organisation du travail, de réorganisation, etc., ont eu un impact sur ces travailleurs qui se sont suicidés. Et donc ça, je crois que c'était une grande première. Alors, c'était un effort important pour les syndicats de se lancer dans ce procès. C'était un procès très compliqué à organiser, mais il y a maintenant un précédent, et un précédent vraiment très important. Je voudrais dire que je suis complètement d'accord avec la position que Marianne a exprimée. Bon, si tu vois les patrons de mon cas, c'est difficile la négociation avec lui, mais je crois qu'il faut approximer les problèmes de cette façon. Et une chose que je voudrais aussi mettre sur la table, c'est que pour moi, le scandale, c'est quand les organisations publiques, comme les FEDRI, dans les cas que Pierre a raconté, mais aussi en Espagne, les ministères correspondants, appellent les décisions que les travailleurs ont gagnées dans la cour. Et par exemple, dans les cas d'amianto, on est tout un calvario, je ne sais pas comment on dit en français et en anglais, mais comment on dit, Laurent? Calvaire. 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 C'est un calvaire pour les travailleurs qui passent une autre fois par la cour parce que c'est l'organisation publique qui appelle. Donc, ça, pour moi, c'est une chose qu'on doit travailler depuis un point de vue syndical et social, parce que ça, c'est inadmissible complètement. J'avais parlé avec des travailleurs qui sait qui va mourir avec un cancer pour exposition à l'amianto, et qu'à ce moment-là, il voit comme lui, à sa famille, c'est dans un calvaire. Et judiciaire. Et ça, c'est intolérable. Marianne, go ahead. Yeah, sorry, Marianne, and then I think Pierre was first. Yeah. Oh, I'm sorry, I didn't notice. Pierre, you go ahead. C'était juste pour rebondir sur ce que Bertha a dit. Effectivement, la question que ça pose, c'est un peu la question du rôle social de ces institutions, où on a plutôt l'impression qu'elles obéissent à des contraintes plutôt budgétaires que plutôt sociales dans ce type d'affaires, quand on voit ce type de déroulé d'affaires comme celle de Polypal et beaucoup d'autres. Et c'est une autre preuve de cette problématique, c'est quand on compare ce que l'Organisation internationale du travail prescrit en termes de budget nécessaire pour gérer les risques des maladies professionnelles et des accidents de travail, qu'elle estime à 4% du PIB, hein, donc dans le cas de la Belgique, ce serait 19 milliards d'euros environ. Et quand on compare ça au budget de FEDRIS, qui est de 1 milliard d'euros, on se rend compte qu'il y a un problème quelque part, quoi. Qu'effectivement, alors dans quel sens ça va ? Ça, bon, on ne sait pas. Est-ce que c'est l'enveloppe budgétaire qui est fixe et qui les pousse à avoir ce type d'attitude ? Ou est-ce que c'est un calcul raisonné de réduction des coûts pour arriver à cette somme d'un milliard par an? Donc ça, évidemment, on n'a pas les éléments de réponse pour en parler, mais on peut pointer qu'il y a un problème budgétaire. Marianne, go ahead.
Yes, thank you. Yeah, it's in reaction on Berta, it's that it's really, really difficult. It's really a long road. It asks a lot from the victims to go into this conflict. And there, I also want to add in reaction also to Laurent, there's not only a collective side on the results of those cases, because one case can have an enormous collective effect. Eh? It can be useful for everybody, but there is also a collective side on the filing of a case. In the Netherlands, the Occupational Diseases Office of FNV does ever more cases of a collective nature. So get together a group of people, which also was the case, of course, in the minors of Lorraine. You are a lot stronger if you are with a group, and then it's not only the individual getting all the troubles on itself, but you share. So that is just a small remark. Thanks, and I think Francois also Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui. Non, c'est bon. Oui, on vous entend. Bon, ben, j'ai l'habitude de parler plus fort, il n'y a pas de souci. Oui, donc, les questions abordées là, en fait, on est dans différentes strates du contentieux possible. Il y a tous les rapports avec les organismes sociaux comme FEDRIS qui sont chargés, comme la Sécurité sociale en France, qui sont chargés de reconnaître les maladies dues au travail, avec un gros problème sur les cancers professionnels, hein, qui sont la case complètement vide du dossier. Hein. C'est très compliqué aujourd'hui de faire reconnaître un cancer professionnel pour des tas de raisons. Hein. Alors que même dans des systèmes qui sont favorables, hein, moi je pense que le système français avec la présomption d'origine liée au tableau est un système favorable, sauf que les tableaux, c'est un produit. Donc, lorsque vous êtes exposé à un cocktail cancérogène, ben, si vous rentrez pas dans les cases, ça ne fonctionne pas bien. Mais le gros problème, en fait, c'est la gouvernance des organismes sociaux. Il y a les règles qui viennent de la loi ou de la réglementation, qui sont en France dans le Code de la Sécurité sociale, et il y a les règles internes aux organismes sociaux. Et ces règles internes sont fixées par les gouvernants de cette caisse. En France, le système a été, en fait, laissé aux employeurs. Théoriquement, c'est une gestion paritaire, mais la gestion paritaire du risque professionnel à la Sécurité sociale, c'est comme si on avait mis un renard libre dans un poulailler libre, et c'est paritaire. On va dire qu'il y a autant de renards que de poules, mais a priori, la fin du combat est prévue d'avance. Et les employeurs dans ce système ont toujours la part belle, et c'est eux qui dirigent la manœuvre, c'est eux qui fixent les budgets, comme l'a dit Pierre, c'est eux qui fixent les sommes à dépenser, c'est eux qui vont régler ces questions-là, et on arrive ensuite à des contrats au sein des organismes sociaux. Nous avons découvert dans une caisse de sécurité sociale où les agents du contentieux, c'est-à-dire ceux qui vont défendre la caisse contre les affiliés, contre les travailleurs, ont un pourcentage sur l'argent qu'ils vont faire économiser à la caisse. C'est-à-dire que des salariés vont gagner plus s'ils spolient d'autres salariés. Et cette honte n'est possible que s'il y a au moins une organisation syndicale qui a signé le contrat. S'il n'y avait pas d'accord collectif, ça n'existerait pas. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une organisation syndicale qui signe un accord pour dire ces salariés-là, s'ils arrivent à spolier les victimes du travail, ils vont gagner plus. Voilà où on en est. Alors c'est à la marge, mais ça existe. Et donc, c'est là que nous devons intervenir en tant qu'organisation. D'abord, peut-être, il y a tout un travail de coopération sur les différentes façons de reconnaître les maladies professionnelles en Europe. Il y a des pays qui avancent des fois plus vite que d'autres. Les systèmes sont différents parce que les histoires sont différentes. Mais les employeurs, eux, sont très organisés.
Et lorsqu'ils arrivent à avoir un recul dans un pays, ils essaient de l'imposer aux autres. Et nous avons, au niveau du patronat français, des gens très actifs et qui sont très, très impliqués au niveau européen et qui reviennent avec des idées. Et d'ailleurs, les pays en point commencent à avoir des problèmes parce qu'on leur dit, mais attendez, on est les seuls en Europe, par exemple, à reconnaître tel cancer, il faut peut-être qu'on arrête, hein, parce que voilà. Hein. C'est le cas pour le cancer du sein, c'est le cas pour d'autres questions. Et donc, il faut qu'il y ait une coordination plus forte. Sur les autres contentieux, ben, les contentieux, de par le mot lui-même, c'est quand on n'a pas réussi à se mettre d'accord. C'est lorsque dans l'entreprise, la négociation n'a pas permis d'avancer. Maintenant, je ne sais pas quelle est votre pratique, mais... Moi, au vu des quelques années de pratique que j'ai, il vaut mieux quand même arriver en négociation avec, quand on a un rapport de force favorable. C'est quand même compliqué de négocier lorsque le rapport de force n'est pas favorable. Et de temps en temps, une petite condamnation de l'employeur devant la justice, ça améliore quand même considérablement le rapport de force pour la négociation. Voilà. C'est la pratique que nous avons eue. Et lorsque l'employeur ne voulait pas appliquer les règles, parce que, je veux dire, c'est quand même assez paradoxal que nous devions aller en justice pour faire appliquer une loi. Et c'est souvent le cas. Et donc, lorsque l'employeur n'a pas voulu appliquer les lois, bien, une petite condamnation, ça ne fait pas de mal, ça permet d'avancer. Voilà. Merci. Thank you, François. Perhaps we could also, there were a few questions about, I mean, we've touched a little bit on cooperation, coordination between different countries, well, between either trade unions, legal experts in different countries, and there's also obviously the EU level and how we can both legally in terms of the expertise at this level, bodies of research and everything like that. Could one of you perhaps Laurent talk a little bit more about how can trade unionists sort of take advantage of these tools and make connections with those fighting the same battles in other countries, actually? Alors, il y a des expériences qui sont très riches, notamment autour de l'amiante. Hein, c'est clair qu'il y a eu des milliers de procès dans le monde autour de l'amiante et que ça, c'était, je dirais, un terrain favorable à des coopérations. Parce que même si les systèmes juridiques sont différents les uns des autres, on retombe toujours sur les mêmes questions à la fin. C'est-à-dire que les questions sur lesquelles on retombe toujours, c'est la question de la causalité, c'est la question de est-ce qu'on peut imputer la responsabilité au patron ou pas, etc. Donc, je dirais, les aspects techniques sont très différents d'un système juridique à l'autre, mais il y a un certain nombre de questions de fond qu'on va toujours retrouver. Et donc, là, je suis sûr que la coopération qui s'est développé dans le domaine de l'amiante peut servir d'exemple pour d'autres, pour quantité d'autres questions de santé au travail. Et c'est clair que l'exemple du Chrome 6, il y a eu une coopération entre les syndicats belges et les syndicats néerlandais, mais ça pourrait très bien être étendu à quantité d'autres pays dans l'Union européenne, puisque le Chrome 6 est utilisé partout dans l'Union européenne. Il y a aucune raison de penser que cela aurait des conséquences différentes dans d'autres pays. Donc ça, c'est un premier point. C'est qu'il y a énormément de questions communes et où l'échange d'expérience, évidemment, ne peut qu'aider. Alors après, il y a des particularités. Donc je ne dis pas que, par exemple, sur la question du préjudice d'anxiété, je ne dis pas que ce sera possible immédiatement dans les 27 pays de l'Union européenne. Il faut chaque fois voir les caractéristiques de chaque pays, mais les principes de base, eux, peuvent être mis en commun. Et puis, une autre dimension, je crois, qui est importante, c'est que quand on fait un procès, il faut évidemment des arguments juridiques solides. Et donc, ça, c'est justement la vision stratégique qui fait qu'on décide de faire un procès sur une question plutôt que sur une autre. Mais ce qui est aussi très important, c'est la campagne autour du procès. Autrement dit, la campagne de mobilisation, de sensibilisation autour du procès. Hier, pendant la conférence, quelqu'un a dit, même certains procès qu'on perd, finalement, on ne les a pas perdus si on a fait une bonne campagne. C'était le syndicaliste britannique. Il a dit, même si on a perdu sur le cas concret, on n'a pas forcément perdu. Parce qu'on a mis en avant un problème réel qui doit être résolu alors par la voie politique. Et donc,
là, je crois que c'est un argument aussi important, c'est de dire que quand on fait des procès, et pour les grands procès en tout cas, ça vaut la peine au niveau européen qu'il y ait des campagnes d'information qui soient menées de manière large, même si, je dirais, le procès ne peut pas être reproduit tel quel dans un autre pays. Et là, je crois qu'il y a quand même un grand précédent hein, qui a commencé il y a une cinquantaine d'années, mais qui se poursuit aujourd'hui, c'est la question de l'égalité salariale des hommes et des femmes. C'est clair que s'il n'y avait pas eu mais vraiment des vagues d'actions judiciaires menées dans différents pays, ben, les principes juridiques resteraient encore lettre morte. Et donc, si on a pu avancer, c'est principalement grâce aux mobilisations des travailleuses, mais les procès ont évidemment donné de la visibilité à ces mobilisations, et comme dit François, ça a quand même donné des instruments solides après pour aller vers la table de négociation à partir du moment où il y avait eu quand même une jurisprudence qui était favorable. Well, we had one question, which is a little related, perhaps, which was how can we use court cases, so presumably whether lost or won, but how can we use them to push for better prevention and to place more demands on employers for efficient prevention measures? Are we good enough at this as trade unions today, and can we be more strategic? That was from a Danish trade unionist. So this is less on the sort of obviously publicity in the media and the campaigning side is very important. But here I see the question is more about also internally within companies and workplaces. How can trade unionists use those cases in their own negotiations? If anyone would like to come back on that question. Yes, maybe this is Maria. This one is for me, maybe, and thanks. Maybe also François. But it's the question. I mean, it's not easy to answer this question. It's easy to answer this question, and it's not. I mean, if you take it in a very narrow sense, that can we use litigation at the shop floor level? I think you have to. You need to take it broadly. It is a broad broad development of awareness that we are talking about. And what I encountered sometimes in the trade unions in the Netherlands is the idea that a compensation case is on compensation, and that is not prevention. And I think that is the wrong angle to look at things. I think, well, only this very event already proves how much compensation cases can give to prevention. Also, if I see if I look at the Chromium 6 cases, how much will they have led to many results. It's not only they have not only led to compensation in the cases, it's in the case itself. They have also led, I forgot to tell that, but I didn't have the time. They have also led at the political level to a development into the direction of a more systematic compensation system in the Netherlands. We are now actually talking about that. Better compensation for occupational diseases as a result of dangerous substances. So it's specifically on the hazardous substances diseases that we talk about a better compensation scheme. So, but these are long-term developments, and the results are not from the one day to the other. When we started the occupational diseases office in 2000. We couldn't be aware of all the results that were there. Can we put the causal link between the one and the other? You know, can we prove that there is a causal link between all the activities we did and the results we are now facing? No, of course not. We cannot. But I am convinced that without all those activities, without all of this publicity, it would not have happened. And I totally agree with the Danish question that it is really important also to look at the shop floor level and the real direct link between
between litigation and shop floor prevention. And I think there needs to be, and that is also, it's twofold. One, individual cases of occupational diseases and accidents in the company need to have a loop towards prevention. So it's a kind of learn from the cases that happen in your company. That's one. But this cannot happen without a broader system, without a broader development in this respect, without the awareness raising that comes from compensation cases. So and it's not only awareness raising, but of course there is, if we speak about litigation, there's also an element of coercion. It's not voluntary to make things better. It's sometimes employers need a bit of coercion to go into the right direction, and maybe in the end they will be happy about it because you get a better workforce if you have happy and healthy workers. Well, that's obvious, of course, in this company. Thank you. Do you know of any, because we did have a question, if you knew of any similar cases to do with chromium 6 outside of the low countries, so outside of the Netherlands, Belgium focus. Just in case you had any examples, Marion. What? I didn't understand your question. Sorry, we had a question about whether there were any, you knew of any cases, chromium 6 related cases outside of the low countries, outside of the Netherlands and Belgium, sorry, that's the term. Just for an example, in case, maybe not off the top of your head. But. No, I don't know. I don't know of any legal cases in other countries. I do know, however, that the issue is everywhere. I mean, it's if I only speak about the low countries or the Netherlands, it's not just the Ministry of Defense and the city of Tilburg. It's also in the aeroplane industry. It's chromium 6 is under bridges, in buildings. So there, this was only the top of the iceberg. And of course, every country has bridges and airplanes and trains. Yeah, of course. Okay, thank you. François. Oui, donc, pour répondre à notre collègue danois, les contentieux qui ont été présentés étaient pour la plupart des contentieux, j'allais dire, pour faire simple, en réparation plus qu'en prévention. Même si je prends l'exemple du contentieux sur l'anxiété, il aura forcément un impact important en matière de prévention si d'autres organisations s'en emparent. Mais nous, on a des exemples de contentieux dans l'entreprise. Par exemple, nous, pendant des années, notre premier risque, c'était la poussière respirable, donc la poussière chargée en silice, donc qui donne la silicose. C'était chez nous, dans les mines, le principal risque. Nous estimons à la CFDT que pour les seules mines de charbon en France, entre 1945, la nationalisation, hein, on ne parle pas des compagnies minières privées d'avant la guerre, donc de 1945 à la fermeture, on estime qu'il y a eu entre 100 et 150 000 morts de maladies respiratoires pour les seules mines françaises. Donc voilà le niveau de risque. Donc lorsque une réglementation a été mise en place d'un maximum, on va dire, de valeur limite d'empoussiérage, nous nous sommes rendus compte qu'il ne suffisait pas de négocier la valeur limite, il fallait vérifier que cette mesure qui était donnée par l'employeur était réelle. Et donc, en fait, nous nous sommes rendus compte que l'employeur fraudait sur la mesure. Il trichait sur la mesure, et donc tout ce qui était rapporté aux institutions de contrôle, comme l'équivalent de l'inspection du travail, la médecine du travail, les syndicats, les comités d'entreprise, toutes les mesures étaient fausses. Et donc, nous avons dû obtenir le droit d'aller contrôler les mesures au fond de la mine. Et comme l'employeur a refusé, nous avons dû saisir la justice. Le juge, en France, on appelle ça le juge des référés. Donc, il y a eu un procès pour dire les délégués syndicaux ont le droit de descendre et de contrôler les mesures de poussière sur le lieu de travail. Hein, parce que la mine, c'est particulier. C'est des toutes petites structures. Hein, c'est des équipes de 10 personnes. Vous pouvez avoir 1500 personnes au fond dans un puits, mais elles sont réparties en équipes de 5 ou 6. Et donc, il faut pouvoir circuler et voir. Nous avons dû faire venir l'huissier de justice
pour constater que l'employeur ne voulait pas respecter le jugement, etc. Donc, il y a des procès sur la prévention, et ces procès sur la prévention, ils sont possibles, et ils sont souhaitables. Et bon, maintenant, moi, je parle en tant qu'ancien combattant, hein, je vous l'ai dit, ça fait 23 ans que je suis en retraite, donc je ne vais pas vous dire, je ne vais pas dire aux salariés ce qu'ils doivent faire dans les entreprises. Hein. Quand, à mon époque, des retraités venaient nous dire ce qu'il fallait faire, on leur disait de rentrer, se promener chez eux. Hein. C'est clair. Je pense que c'est aux salariés de l'entreprise de décider de l'action dans l'entreprise. Je n'ai pas changé, même si je suis en retraite. Mais il y a des actions possibles en matière de prévention directe. Le droit de retrait, la mise en danger d'autrui. Le premier procès qui équivaut à une indemnisation morale qu'on peut rapprocher du préjudice d'anxiété, c'est des salariés d'Alstom à Lille qui, constatant que dans l'atelier où ils sont, l'employeur a omis, entre guillemets, omis de leur dire qu'il y avait une grande partie d'amiante qui était toujours présente, ils ont fait un procès pour mise en danger de la vie d'autrui. C'était direct. Ils étaient dans l'entreprise, ils étaient en danger, ils ont dit « notre vie est en danger », ils ont attaqué l'entreprise pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est l'article du code pénal, hein, 223, l'article de 223.1 du code pénal en France. On n'a pas le droit de mettre des gens en danger dans la vie courante, mais dans l'entreprise aussi. L'entreprise n'est pas quelque chose qui est exclu de la société. L'entreprise fait partie de la société et les lois de la société s'appliquent aussi dans l'entreprise. Voilà. Merci. Thank you, François. Berta, if you have anything to say on this issue of prevention or something you've come across. Oh, j'étais en train de dire exactement, mm-hmm. François, l'entreprise, c'est pas un endroit différent à la société, mais ça, c'est l'idée qu'on doit. Ça, c'est l'idée qu'avait un peu partagée Laurent au début du débat, quand il avait dit sortie de la caisse. Que c'est vrai qu'avec cette. Cette processus pénal, c'est les messages, ce processus judiciaire, et c'est un message clair pour les patrons que l'entreprise, ce n'est pas un endroit où les lois sont quelque chose de méconnu. Tu vois? Et ça, c'est vrai que cette idée, c'est très bon pour les garder à la tête, comme les fonds du débat, à moi, pour moi, pour moi. Et juste une intervention encore, si c'est possible, sur le chrome. Lorsque nous avons démarré l'action sur le préjudice de l'anxiété, nous avons mis en arrêt un arrêt de la Cour de cassation en France, qui date de 2010, du 30 novembre 2010, et c'était des salariés qui ont attaqué leur employeur sur le fait qu'ils étaient exposés au chrome. Et ils ont gagné d'ailleurs, je pourrais le faire passer. C'était l'un des arrêts que nous mettions en avant pour dire qu'il y a déjà des actions menées. J'ai parlé d'Alstom sur l'amiante, mais il y avait aussi un arrêt sur le chrome qui date du 30 novembre 2010. Thanks. Well, lots of interesting answers there. We've talked a lot about obviously the role of trade unions. There was also a question about what role do the works councils play, and do they have a responsibility in this process, and presumably also health and safety committees? That depends on the country, I imagine. I don't know if anyone has any knowledge about that, their role in these issues. Another question. If not, it's okay. No, okay. We had also, sort of moving on to sort of the issue of, there's sort of quite a few questions also about what we call psychosocial risks or psychosocial hazards. This might be also interesting for Pierre to answer. You let me know. We had a question about in regards to addressing these hazards, advice. Do you have any advice about moving the focus from individual responsibility to addressing these issues in an organizational sense? I think that is the sense of the question. And
Yes, I mean, that's sort of related to, yeah, there were also questions about any, if you have any knowledge of cases to do with work-related stress, burnout, particularly return to work after that. But there's different dimensions there of obviously prevention and mitigation. So either Pierre or anyone else who had any answers, knowledge of this issue. Yep. Oui. oui, alors pour l'approche, ou la responsabilité individuelle ou la responsabilité organisationnelle, ben, je pense qu'il y a souvent deux visions des choses qui s'opposent et qu'il n'y en a aucune des deux qui est correcte et que ça, la réalité se situe peut-être plutôt au milieu. C'est qu'on peut avoir une vision parfois dans le patronat que les risques psychosociaux sont des faiblesses individuelles et donc que l'employeur n'a aucune responsabilité là-dedans. Et puis, on peut aussi penser que tout est organisationnel, qu'il n'y a pas de facteur de prédisposition et que rien n'est individuel. Je pense que la réalité se situe plutôt entre les deux, qu'il y a une interaction entre des prédispositions individuelles. Ça a été prouvé dans la littérature. Hein. Donc, par exemple, les traits de personnalité jouent un rôle important dans la tendance à développer certaines pathologies mentales. Et donc ça peut exacerber donc des conséquences d'exposition à des facteurs de risque. Mais évidemment, les facteurs de risque jouent évidemment un rôle très important dans le développement de ces pathologies. Donc ça ne doit pas faire oublier à l'employeur, évidemment, que même s'il y a des différences individuelles, c'est son rôle, sa responsabilité de contrôler le degré d'exposition à ces facteurs de risque et d'une façon à ce que tout individu, quelles que soient ses prédispositions individuelles, ne développe pas une pathologie liée au travail. Donc voilà, c'est un son de cloche un peu plus contrasté parce qu'on voit souvent des positions très tranchées ou bien d'un côté ou bien de l'autre. Voilà, donc, ça, c'est ma position personnelle. Marianne, you want to comment on that? Yes, thank you, Pierre. I think your personal opinion is also backed up by the law. It's, I mean, psychosocial risks are an occupational risks as all other occupational risks, and therefore, it's the legal obligation of the employer to prevent these risks at source, that is to organize the work in such a way that our workers are not exposed to those risks. And this is at the basis of the, let's say, the protection character of employment law. It's up to the employer to decide about the working conditions we are in. And psychosocial risks are nothing else than any other risks. And therefore need to be prevented, and this can be done, this can be done by way of how to organize the work. Well, Pierre knows better than I to speak about that. You can explain many aspects of this work organization, but the thing is that there is a narrative, let's say, all over the place about psychosocial risks being an individual issue. It is we can as an individual we can do a lot. We can have the typical mindfulness advices that we get on this. I mean, and that is not the point. There's nothing wrong with mindfulness, but it has nothing to do with working conditions. If I can do mindfulness as much as I want, if I have deadlines every day, and if I cannot escape from phone calls all the time, and if my boss doesn't protect me from harassment, et cetera, then I can do as much mindfulness as I want, but I won't be free from those risks. And those risks are in the remit. They are in the remit of the employer's responsibility. And that is a legal issue of responsibility. And it totally fits into your personal opinion, Pierre, but... I wouldn't good that you work together then. It's very complimentary. yes.
No, it's perfect. Certainly the two dimensions of that, right? Well, I'm afraid we are running out of time, but it's been a very lively discussion. Obviously, we've focused on the, because if you read Hazemag, and I hope you do, you'll know that each issue has a special report or dossier, and this was the theme of this one, but we often have, have articles outside of the dossier. So we always have a European news and international news. And of course, an editorial, which was written by Laurent up till now, that will be changing, unfortunately. And we had a question about this last issue came out. It was the first issue that came out since the COVID-19 pandemic broke out. And you titled your editorial, "A Return to Normality Would Be the Worst Defeat." Could you tell us just in the next few minutes, what did you mean by that and what point were you trying to get across? Thank you. Oui, bien sûr. Donc, il s'agit d'une allusion à l'éditorial du dernier numéro des AMAG. Hein? Donc, la pire défaite sera un retour à la normalité. Et je crois qu'effectivement, ça vaut la peine d'être expliqué. Alors, déjà, le fait que nous présentions les AMAG en visioconférence, c'est un élément qui ne vous aura pas échappé, c'est-à-dire que tout le monde vit de manière difficile la crise du Covid. Ça a un impact énorme qui a bouleversé nos existences, de tout point de vue, au travail comme hors du travail. Alors, l'aspiration à un retour à la normalité, elle se comprend bien. Je veux dire, c'est un mécanisme psychologique tout à fait normal et compréhensible de se dire, si on pouvait mettre ça entre parenthèses, revenir à la situation antérieure au Covid, ce serait magnifique. Le problème, c'est que le Covid a frappé une société qui déjà était en mauvais état. Autrement dit, le Covid a été le révélateur de quantité de choses qui ne fonctionnaient pas avant. Alors, on peut même faire la comparaison au niveau individuel, quand le Covid s'est attaqué à des personnes qui étaient en vulnérabilité par des facteurs de comorbidité, par d'autres facteurs encore, il a fait des dégâts beaucoup plus importants que par rapport à la moyenne. Mais socialement, le Covid a frappé dans un contexte qui déjà était un contexte dont on ne peut pas souhaiter le retour à l'état antérieur. Et alors, je mettrai en avant en tout cas deux questions, mais il y en a évidemment énormément d'autres qui pourraient être mises en avant. Mais la première, c'est la division sexuelle du travail, hein, les rapports entre les hommes et les femmes. C'est clair que tout au long du Covid, si on prend les expositions professionnelles, donc les personnes qui, en raison de leur activité de travail, étaient les plus exposées, on va trouver une immense majorité de femmes. Parce qu'il y a une immense majorité de femmes qui sont dans les métiers, je dirais, qui ont dû continuer, hein, ce qu'on a appelé les métiers essentiels. La santé et toute une série d'autres activités, on va trouver une immense majorité de femmes. Et donc, se dire, on va simplement faire un retour à la case départ, dans l'hypothèse favorable où on est quitte du Covid, ce ne serait pas une bonne solution parce que ce qu'a mis en avant le Covid, c'est précisément les énormes inégalités entre hommes et femmes, tant en ce qui concerne le travail rémunéré que le travail non rémunéré. Et si on n'intervient pas là-dessus, et de manière purement symbolique, hein, parce que distribuer quelques primes aux infirmières ou quelques primes aux personnels des maisons de repos, ça c'est comme on donne des médailles aux anciens combattants, mais ça ne sert strictement à rien, ou en tout cas c'est très limité comme action. Il faut vraiment remettre en cause en profondeur cette division sexuelle du travail, et notamment la sous-valorisation systématique des emplois féminins, d'autant plus que ça a des conséquences en santé au travail. Les conséquences en santé au travail, c'est qu'en sous-valorisant ces emplois, on accorde moins d'importance à la prévention. Et ça, on l'a vu de façon tragique, tant pour le personnel que pour les résidents, dans les maisons de repos. C'est un secteur où, là, on est à plus de 9/10 du personnel qui sont des femmes, et souvent d'ailleurs des femmes immigrées, et on a vu que leur mauvaise condition de travail avait à la fois des conséquences pour elles, mais aussi a eu des conséquences désastreuses pour les résidents. Et le deuxième point, je crois, qui est aussi très important, c'est la question de la démocratie au travail. Autrement dit, partout, au moment où on est sorti du confinement, la solution proposée par les employeurs, c'était on va appliquer les règles d'hygiène publique sur les lieux de travail. Il faut se laver les mains, il faut respecter une certaine distance, éventuellement porter un masque, etc. etc. Bon. Et on a pu constater que ça ne marchait pas. Alors, ça ne marche pas parce que les règles sont mauvaises. Les règles
en tant que telles, les règles d'hygiène publique sont bonnes. La question, c'est que c'est tout à fait insuffisant. C'est tout à fait insuffisant parce que le travail est complexe, il suppose des quantités d'interactions qui sont beaucoup plus difficiles à organiser que simplement si on raisonne en termes d'espace. Et donc, la seule manière de réaliser une prévention anti-Covid efficace sur les lieux de travail, c'est de permettre aux collectifs de travail d'analyser leur travail, de se prononcer sur les mesures de prévention, et donc d'adapter, en fonction de la réalité même du terrain, ce qui, dans les règles d'hygiène générale, doit être adapté. Et il y a un autre aspect qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est le fait que toutes ces règles d'hygiène impliquent des risques additionnels et des charges de travail, notamment, mais pas uniquement pour le personnel du nettoyage. Et donc, là aussi, évidemment, on doit tenir compte non seulement de la nécessité de se protéger contre le Covid, et ça, c'est le sens des règles d'hygiène, mais on doit aussi tenir compte des interactions que cela a avec les autres risques. On utilise beaucoup plus de substances biocides aujourd'hui sur les lieux de travail qu'on en utilisait par le passé. On a remis en circulation des substances biocides particulièrement dangereuses, eh bien, c'est clair que les travailleuses du nettoyage sont fortement affectées par cette situation nouvelle. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Il faut reprendre complètement l'évaluation des risques, remettre en place des plans de prévention, et ça, ce n'est possible que s'il y a une démocratie sur le lieu de travail. Si on laisse ça entre les mains des employeurs, ben, la réponse est ce qui s'est passé dans les abattoirs. Thank you. Yeah, which is actually perfect because our next issue will be on workers in the food chain. So that's a nice transition. Unfortunately, we're out of time, but thank you so much to all our speakers, to Marianne, Bertha, François, Pierre, Laurent. Thank you to everyone who attended. Thank you. A big thanks to Maria Nikolova for all her invaluable organizational support and of course to the interpreters. I think if we could put another maybe, or there is a link there, so that you can subscribe to Hazemag, and you can also, there's also a link to our last launch from last year, which was on the work of artists. Don't miss our next issue, that will be in May or June, should be coming out. As I said, unfortunately, Laurent, I think the biggest thanks is for you, because unfortunately we're all a bit heartbroken because well, you've already left us actually, but this is a swift return, but unfortunately, yeah, you've retired now and you no longer the editor of Hazemag, but we're very happy that you're still always involved with the magazine. And we even created a little page blanche for you. So to make sure that these very important points that you're making and in your particular wonderful style are always going to be part of the magazine. So thank you very much from the whole team. And thanks to Mehmet and Geraldine also. Okay, thank you everyone. Have a nice weekend. Thank you, bye-bye.